Les slogans sont toujours aussi vindicatifs, preuve s'il en fallait une que le projet de loi El Khomri ne passe décidément pas. Ce jeudi, Chambéry s'est mis au diapason des quelques 250 autres villes françaises qui organisaient un rassemblement et une manifestation. Et depuis un mois, le leitmotiv n'a pas changé d'un iota, le refus de la réforme du Code du travail. Dans cette loi, il y a énormément de choses qui sont contraires en fait, à l'esprit même du Code du travail, qui était un esprit protecteur pour les salariés. Aujourd'hui, dans la loi telle qu'elle est prévue, on met le salarié au même niveau que l'employeur, et on le voit bien, nous, dans les professions précaires, qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Pour cette quatrième journée de mobilisation nationale contre le projet de loi, qui est actuellement en discussion au Parlement, les syndicats avaient décidé de ratisser large. Transport, remontées mécaniques, lycéens ou encore secteur ferroviaire, une grande partie des composantes de la société était présente dans la cité des Ducs de Savoie. Que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les salariés, les entreprises qui ferment tous les jours, on casse notre outil de travail. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve les jeunes, les anciens, les retraités avec que des problèmes qui s'accumulent et qui n'arrêtent pas, avec une dette à payer. Eh bien, aujourd'hui, il y en a marre. On n'a aucun avenir avec cette loi. Bah justement, on veut un avenir. C'est déjà assez difficile pour nous de trouver du travail, alors faut autant que ce soit pas encore plus compliqué, quoi. Aujourd'hui, si la situation semble être dans une impasse, il apparaît de plus en plus difficile également de voir ou d'imaginer une sortie de crise. Tout ce que nous demandons, c'est que ce gouvernement fasse enfin une vraie politique de gauche. Aujourd'hui, le dialogue, il est rompu. Nous ne sommes pas dans le cas des parlementaires qui vont peut-être amender la loi. Pour nous, aujourd'hui, cette loi doit être retirée. Il n'y a pas ni d'amendement à faire, ni quoi que ce soit. Trois semaines après une première grosse journée de mobilisation dans les rues de Chambéry, ils étaient en tout près de 7000 ce jeudi à venir manifester. Et tous ont promis une chose, ne rien lâcher.